tabac congolais en otage. Voilà, bonjour, topé, bonsoir. Ça ne dure pas de l'heure, Borolanda, émission Oyo, peuple congolais, mes frères et sœurs. Alors, c'est que je suis venu encore dans traque info auto sur la mamouké. Et ça lit toujours le dossier à Congo, Nengeza Koukin. Alors, Naozala, en tout cas, direct, Makambo Nakoloba, dans le coup, Borolanda, traque info Oyo. La première des choses, Nakoloba, et ça Denis Nyakeru, comme tout le monde a dit depuis hier, Denis Nyakeru a zali kosala makambu na Congo central où elle perçoit plus ou moins 100 000 dollars par mois. Oyo, gouverneur de la Congo central, alors selon nos sources des informations, le gouverneur convoqué à Kinshasa a dévoilé le nom de Denis Nyakeru comme étant Mutoyo a versé à Kaye 100 000 dollars au nom de Fatih Beton. Voilà le pourquoi chaque année, à la fondation, on a eu ceux qui sont en charge, ce qui n'est pas mauvais. Mais disons la vérité, faire étudier les enfants pendant 5 ans, na poto, parce que études en Europe, chaque année, moi, na atanga pour ne baza wana soi ba ye wana baza na ba famité faut vendre na ba université banana ba vendre na ba université kolia na bango chambre na bango ba ola na université na ba cours pour awa chaque cours ezana prix nango ezate go no ba charger minerval na globalité ba biki non boy non awa chaque cours azana na prix na na chambre na ba loko kolia. Bon, laissons voir. Mais le problème, c'est que 100 000 dollars, je suis foutu. Le gouverneur, déjà dans le Congo central, à l'Iokendete. Voilà ce qui va arriver et ce qui arrive dans le pays quand on a des voleurs à la tête du pays. Dossier à Denise, l'obito mega yoko lobele yango. Na kasa ipe na utuko la kisabino ba image awa. Na trake info to sali aliboso awa. Comment bat baza kole la passi. Mais moi, je suis peut-être mon arabe intervention naie kunate. Deuxième information, nakolo akisabino awa peuple congolais, ils ali muto atanga ka Fatih Beton. Azala ni les États-Unis d'Amérique awa peuple congolais. Malheureusement, les États-Unis en haut awa et plutôt na Canada s'il vous plaît. Azala ni na Canada ligne a finga mbongo atalate. Afinga Martin Fayulu a talaté. Et puis le pasteur, là, quand Kabila était au pouvoir, il parlait pas. Sauf que tu n'es pas en bas politique. Ah non, moi je ne parle pas politique. Moi je suis un homme de Dieu. Moi, la politique, moi je ne parle pas. Depuis que Félix Tshisekedi a comme président, Kimunuba et Bimi. Pas tout le Balouba. Je dis bien pour Batmissouba, ça a la confusion. Autant aux autres, Moulou Bazo, Kassarobi, tous les Balouba. Nabinaye, pour Balouba, oh, il y a bien, Balinipe, Félix, c'était Baza et Belé, que les Kakout, bah, oh, il y a Taliban, tous les Taliban, Bazo, Landara et Nassima. Le monsieur, finga bon, le Loba Kanga, dossier, Banda, Bassala, Bappel, Assala, Bappel, à la fin des comptes, Baye, on y a taïga, 8 ans de prison, Ningazawana, agression sexuelle. Ah, dans le Canada, écoute, Aza, la chance, pour Zana. Yoko taza na chance pour eza na Canada soit eza ki na États-Unis mais le goutu 8 ans na joué en hôte na États-Unis batike le bapelo ba sali bapel pour eza Canada faut vraiment koumi sanzam si c'était en Amérique mbela zo le na mwamboka mais ba bete 8 ans nzamba sunga ya eza makambo yaka et surtout que eza moussa ina nzamba atike église na famille donc on n'est pas content mais donc il faut interpeller hein. Peut-être deuxième point peuple congolais c'est usine au bozaromona bakangi ngo baye découvrir en Congo ils ont fabriqué ils ont fabriqué champagne
peuple congolais. Ils ont fabriqué le champagne à faux. Na kati ya Congo kuna na na basement awe ngo basement dona na net na badal na se ya dal kuna ndaku me na se sikoyo azo sala ba sala ba champagne kuna e bazo bimisa ngo lokola ba vrai ba champagne. Une minute, peuple congolais. Alors, nde ba yeko découvrir makambo baza ko sala. Alors, tant ba découvrir makambo baza ko sala, ba kangaji bango, vrai ou faux, ce sont des Chinois. Oyo ba ya na kati ya RDC, ba onde ba sala ba makambo wana, comme vous le savez. Alors, nde ko pe atinde linga mwa nouvelle moko awa. Et nous de konana alobi na ngai ke pasta ba outu kozwa certification ya parti na bango reconnu na Angleterre pour appuyer les Katangais. Alors l'Angleterre a reconnu certificat, donc c'est-à-dire qu'il leur autorise de faire des marches, de faire des revendications qu'ils ont besoin de faire à partir de l'Angleterre. Voilà le pourquoi mon frère m'a envoyé cela. Voilà le pourquoi aussi je le mets pour vous. Pour Nabomona, qui maintenant c'est officiel pour eux. Donc ils peuvent manifester parce que leur parti ou leur activisme est reconnu en Angleterre. Donc, Bazali, sous le colaba, comment on appelle ça, clandestinité, c'est reconnu maintenant en Angleterre. Donc ils ont encore plus de droits. Il y a beaucoup de babiska monsieur soit parti la certificat oyo pour na ko entamer ba démarche na bango bazana ngo pour ça na lutte na bango bazana ngo pour na Congo. Alors voilà un peu na tenaki na Lacsabino. Et puis aussi on nous signale encore ici que bato bozo romo na ba mindu ki belé awa peuple congolais bango nde ba hôtel ko buka hôpital wana, ce sont les ADF na lou, je ne sais pas oyo bazana ko sala opération la partie est à Congo pour na kobuma rabatu. Alors l'armée n'arrive pas à maîtriser tous ces gangsters oyo bazako sala opération na côté kuna ya est ya RDC. Alors dans les formations oyo tokoyi ko lobela awa ya makasi susu ezali, on nous signale encore il paraît que à part l'Ouganda on a otiko bisabino wa sengeli ya accueillir 2000 réfugiés talibans, il paraît aussi que l'armée ou bien le gouvernement américain a demandé en RDC d'accueillir les Afghans. A accueillir 2000, on a évité nombre, pas préciser nombre, à accueillir les réfugiés afghans dans le territoire naïe, na RDC. Ah, Congo a toujours traversé Bamboga Passi. Congo a toujours accueillir encore des réfugiés pour la première fois. Nous avons accueilli des réfugiés rwandais. Bumona makambo meme la bisho na kata Congo. Ce que vous m'avez dit, 2000 réfugiés, vous en avez pour 3 mois. 3 mois! Vous avez dit que vous avez été à Congo, 3 mois. Il y a des Rwandais, il y a des Rwandais, il y a des Rwandais, il y a des Congolais. Il y a des Congolais. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que les États-Unis, Angleterre, France, les Nations Unies, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que voici le prix que nous payons. Les autres, vous avez dit que vous avez dit que guerre bande kota na 94 ti lelo guerre ici la raté na Congo lelo suboso senga susu ka le même Congo na ba passo ezana mboka wana ko lia kutu ya ba citoyen congolais za difficile mena ba re ba ke yiba be fiche po ba lesa wana ni atuka na ebite so eza ko tenter o mena ba ba ke no muta zo ko tenter amoni o pena ke donc muta uchi ko kemba akembi anyo kwa mi passo ata 1 dollar oyo aju 1 dollar na ye asombi ata lipa zo lia ngo boina mutokia uchu komona siko mtu mo boye uzomona de gazo le kana kala gayar azana kala gayar pa donc bien ala ti sapata bien ma moni yo pele ke no o tambola na sapatu se toboka ata kutu za so ki Jésus ngo baloba ke no peut-être za nzambe de mutazo ko senga yo ke mutu wana pele zo le kana o et puis so botali mutu wana zo le kana kata mutuka na pembeni na yo uzomona biloko ko lia plein. Mais je dis non, on a de l'autre côté, toi comme l'aura à l'hypothèse. Ah, ce que. Donc, yo y a un peu de temps, il y a un été pour eux, ils ont tentation, tous les amis. Est-ce que les amis, ils ont dit, Jésus, ils ont dit, ils ont tenté, ils ont tenté.
Parce que si on a le niveau, il y a espace, c'est ça, il y a un peu de ah, au cas moi, bango bango sang de sika ou yamba bato. Mais pourquoi bango bazo yamba bango te? Na Congo, na pas su ezo ba Congolais bazo traverser. Gouvernement kouta zo kwa kosunga ba Congolais te, bongo ake neko yamba susu ba réfugié. Oyo koutu tozo abiso yo tozo souffri. Ba yamba susu ba oyo. Ah! Mondo eza na makamuna ngwa, pardon, pardon peuple Congolais, pardon. Ah, na évité un jour que ça tonta batu baloba na ki Congo tonta venant na évité. Alors, peuple congolais, toko tamo muzindo awa. Alors, dans la foulée, Félix Tshisekedi était à Addis Abeba là-bas, le chef diplomatique de Félix Tshisekedi en tout cas, et mon ami à Makassi. Makassi a posa garanti. Vous savez quand vous faites je ne pas ou je ne loue pas Kabila. Mais Kabila avait de grands diplomates tout autour de lui. Hein. Ça, il faut reconnaître à ce monsieur cette capacité-là. Kabila avait vraiment de vrais diplomates. Voilà, par exemple, ce qu'on a eu chez Okitundu, Bozui Banabe Kine Kikaya, Bozui Raymond Tshibanda, ce sont des grands diplomates. Bah, il y a une tactique à diplomatie dans le monde extérieur. Félix Tshisekedi, partout à l'Inga Tchalibaya, Azako échoué. Amega Yoko Tchalibaya, la nation Zini Awa. Bangona Gabon, Gabo a leke liye moutou, Gabo a tche pression, Félix Tshisekedi a cédé na souka. Gabo a zui poste wana. Ce que Félix Tshisekedi, le quoi la bimé, le président Union africain, a ke kousous na Malawi kuna, a ke ko pese, ke non, nani moutou na ye, abima, soki Faustin, soki nani Luanga, abima, secrétaire général ya SADC. Mes frères, je vous assure, Fatih Béton, a tenté, Batouana, a tenté, ce que vous voyez aussi, Batou, vous voyez que vous avez dit, ah, à la fin des comptes, je vous assure, dossier en gros, ce que vous avez dit, tu es habité, et Béti Nango Poto, Félix Tshisekedi, a échoué lamentablement dans SADC. D'ailleurs, il y a eu un Congolais qui était là-bas, Oyo, à qui il a pesé. Force, il y a Félix Tshisekedi, il peut y avoir un peu de Antoine Tshilombo, Arzamuto, a respecté la démocratie. Suivez ce monsieur, Nakatia Sadek. Bonjour, je suis Imhotep Kabasu Babu, de l'Agora, des gardiens intellectuels de la République, à Girniou Congo. Là, je vous parle à partir de Lilongwe, au Malawi, où il y a les sommets de chef d'État, de SADC. Et je suis ici pour, en tant que libre penseur écrivain, mais également responsable de Girniou Congo, pour poser la problématique de l'écroulement de la démocratie parlementaire en RDC. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu par exemple le président du Malawi, Dr. Lazarus, qui a parlé de la possibilité de l'Afrique d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité, mais également le fait que le nouvel ordre mondial, à partir du coronavirus, fait que les Africains doivent être aussi des citoyens de première classe considérés dans le monde. Mais cela n'est pas possible si le plus grand pays de la région et les plus peuplés, et même les plus potentiellement riches, qui peuvent avoir un impact développemental sur la région, la RDC donc, est dans une situation où le président Tshisekedi impose son totalitarisme, impose sa dictature et fait arrêter des acteurs politiques qui donnent des points de vue contraires et qui a la violence contre l'Église catholique, contre l'Église protestante. Et donc, on ne peut pas parler dans la SADC de la démocratie, on ne peut pas parler du développement si la RDC, qui est les pays les plus peuplés, qui est les pays les plus grands de la SADC, est dans une situation où il peut y avoir une guerre civile, où il peut y avoir une implosion de la violence, parce que comme nous savons aujourd'hui, la cohésion nationale est fissurée, le président de la République est en conflit avec pratiquement toutes les figures de proue de la politique congolaise, et donc il faut que les leaders de la SADC puissent anticiper et faire en sorte que le Congo puisse retrouver la paix, puisse retrouver la cohésion nationale. Cela est important parce que aucune projection économique, aucune projection politique de la SADC ne peut être réalisée si le Congo est dans la guerre et si le Congo est, si vous voulez, dans une crise politique généralisée. Voilà, Ndenge Boyoki,
Mutuana a Zali Koloba, Nenga Lobby, qu'est-ce qui va se passer et comment lui il est parti mettre la pression là-bas, na Sadek, concernant Félix Tshisekedi, na Makambaza, Kosala, na Mboso, na Assemblée nationale. Maintenant, je me disais que, est-ce que Félix Tshisekedi a tamboula na ba diplomate ou a tamboula na ba diplomatité? Prévané à Kekuna, Christophe Lutundula et à Kinshasa. Affaire étrangère, Christophe Lutundula, Koutou, Bazoué, Sabiso, qui est poignardé dans les dos. Comment Christophe Lutundula a été poignardé dans les dos? Selon les informations à notre possession, peuple congolais, Oyo, Bazako, signalé, Bissouawa, dossier à Christophe Lutundula. Attendez, je vais lire cela pour vous, pour la meilleure compréhension. Peuple congolais, qu'est-ce qui se passe? Et comment on dit que Yenle Moutaza, ministre des Affaires étrangères, qui devait ou qui doit voyager plus souvent avec le président de la République. Mais Christophe Lutundula n'a pas fait voyage avec Félix Tshisekedi na Malawi Kuna. Qu'est-ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu'on nous signale de ce côté là-bas, peuple congolais? Balobi na biso boye. Babina Bisso Boye, Christophe Lutundula, qu'est-ce qui se passe? Je lis pour vous. Affaire étrangère, Christophe Lutundula poignardé dans le dos. Une rumeur faisant état de prétendue esclamouche verbale entre le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, et le directeur de cabinet adjoint en charge de l'administration du vice-premier ministre Christophe Lutundula, s'est répandu comme un nouveau variant de Covid-19 ce mardi 17 août sur le réseau social. Selon ce rumeur, relayé textuellement à une virgule près par certains médias, essentiellement en ligne, le fait aurait eu lieu samedi dernier au cours d'une réunion tenue au cabinet. Après avoir interrogé plusieurs sources, dont des proches du vice-premier ministre Sami Adubango, Athenas.cd a mis la main sur une mine d'informations qui prouve noir sur blanc qu'il s'agit d'une câble qui vise à tenir l'image et la réputation de Christophe Lutundula. Un directeur de l'administration des affaires étrangères qui affirme être au parfum de ce qui se passe dans ses cabinets ministériels affirme avec regret et inquiétude que c'est plutôt le directeur des cabinets adjoint du vice-premier ministre des affaires étrangères, Bernard Mpechi Woto, qui est victime de l'intolérance du vice-premier ministre des affaires étrangères. Ce directeur qui a requis l'anonymat démonte toutes les contre-vérités distillées dans la presse dans le but de nuire à Christophe Lutundula. D'abord, il signale que la séance de travail prétendument présentée comme celle au cours de laquelle s'est serré déroulé l'incident a eu lieu vendredi dernier et non le samedi et que les rapports a été fait sur ce qui s'est passé par l'ambassadeur Ileka, directeur de cabinet du vice-premier ministre des Affaires étrangères. Il n'y a jamais eu agression, car vendredi et samedi dernier, le vice-ministre ne s'est pas plaint auprès de son titulaire qui était présent dans son bureau au moment où l'incident était supposé se dérouler, martèle notre source. Alors, Balobike, yé Christophe Lutundula, il paraît à Betaki Mutumoko na Katia cabinet. Hein? Donc, agression, Christophe Lutundula, il paraît à gifler le vice-ministre Sami Badibanga, agressé par le directeur de cabinet, donc agressé. Agressé, pourquoi te éviter? Alors, ce beau talibien, combo ya muto et bazoba, Sami Adubango, vous comprendre que non, Aza Mouta Félix Tshisekedi. Alors, il y a agressé par rapport à quoi? Nana bino peut te éviter. Donc, tout ça, c'est pour tenir le match, mais Ezali. Peuple congolais, ezali na sens nini, ezali na sens que vous voyez que Lutundula a plus mutu ya Moïse Katumbi et que Moïse Katumbi a mené lutte contre Félix Tshisekedi. Alors bato wana bako sepela tout souté que non bato ya Moïse Katumbi baza la poche à Félix Tshisekedi. Voilà le pourquoi bazo ko linga ba ekate bango moko na moko. Et la ligne dont vont les choses, vous devez aussi savoir que c'est facile que Lutundula quitte le poste là, il y a vice-premier ministre. Et puis il se plaint. Lutundula se plaint parce que il y a rien de sérieux
Eza ko salama na kati ya Congo oyo ekoki n'est-ce pas ko pesa ye ata pouwa ya komi bengama vice premier ministre des affaires étrangères Félix Tshisekedi du voyage na batuna ye oyo ya lingi batuna ye oyo ya poni na ndenge na ye na tana ye oyo ya lingi asala sali makamona. Alors à quoi sert bon ya komi benga vice premier ministre ya Félix Tshisekedi des affaires étrangères abimarana lutundu la te atambula na lutundu la te atinda rappel lutundu la te na ba mission atinda rende ba taliban na ye na ba mission suko yo lutundu la est vice premier ministre des affaires étrangères par rapport ya quoi. Et voilà, ça va se plaindre. Tant que ça va se plaindre, les talibans sont au ministère, ils sont en formation, ils sont en Félix Tshisekedi. Ils sont en formation, ils sont en Félix Tshisekedi. Ils ont créé des ordres dans le ministère. Le tout le monde a varié. Ils ont dit, oh, je vais vous dire, ils ont la présidence. Ils ont changé ça, ils ont fait des bêtes, ils ont fait des bêtes, ils ont fait des bêtes. Et ça passe, ils ont travaillé dans Félix Tshisekedi. Ils ont fait des bêtes, ils ont répété. Ils ont fait des bêtes, ils ont fait des bêtes, ils ont fait ressalir l'image na yo bon so ko zo ka moi salaire aujourd'hui mais pour nos sala musala o pene singe lo sala tu vas pas le faire avoir jala na lu tundu la te maintenant il est na sade ki kuna diplomatie ni na mené échec total na kati ya sade ki kuna mes frères Félix Tshisekedi selon même moi na moi shi oyo ba bengi na kombo ya Francine Muyumba. Alors, la diplomatie congolaise s'illustre par des échecs à répétition. La présidence de l'Union africaine par la RDC risque de livrer une feuille blanche. Défaite face au Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU. Le négociation sur le barrage du Nil est aujourd'hui à la défaite face au Botswana. Et plutôt, la négociation à barrage Nil au Félix Tshisekedi Mekaki est s'invité. Et troisième échec, Ezali, défaite Botswana a récupéré place au Sengelaki RDC Azoa. Voilà le pourquoi, moi, je suis à l'objet que non, l'échec Francine Muyuma, a dit que l'échec, non, surtout, Ezakoya, Félix Tshisekedi risque donc que, à l'égaki président de l'Union africaine, mais à ça, il n'y a rien. Malgré Gazaki, président de l'Union africaine, à ça, il n'y a payé rien. Donc, échec total. Mawatro peuple congolais oyo eleki kuna na kati ya Sadek babotoli place et puis na moni ba taliban balobi oh non Félix Tshisekedi a gagné parce que vous savez comment les talibans réagissent non ba chebor wana ba chele biso papier wana pour les talibans qu'est-ce qu'ils nous disent bango ba taliban balobi boye wapi yango ba taliban balobi boye peuple congolais balobi pona ba la sa ke Félix Tshisekedi azo gagner balobi la RDC est de retour dans le Conseil des Nations. Mes sincères félicitations au chef de l'État son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi nouvellement élu vice-président de la SADC et président par exercice de 2022-2023 Après notre retour sur la scène internationale et continentale, la consolidation continue au niveau régional, c'est du béton. Seulement en 3 ans, élu président de la RDC, élu vice-président de l'Union africaine, élu président de l'Union africaine, élu vice-président et président, élu vice-président et président de la SADC 2022-2023. Et élu président de la CC 2022-2023, en 2023, réélu président de la RDC, wana selon Taliban, il reste l'unique à son genre pour le moment. Wana, ba Taliban, babi, fachi beton, azako kanga, ba échiquier international, comme vous n'avez pas l'idée. Et pourtant, selon nos sources d'information, auto ou tchikozoa, awa to découvrir, peuple congolais, nzokande, ceux qui vont taliban information, auto zui, on nous fait état, que Joseph Kabila azala déjà président ya SADC. Joseph Kabila était déjà président de la SADC. Bande ko nangai. Et ezala ki na 2008 je crois. Ouais, attendez, je vais sortir l'information ana pona na tanga yango très bien. Kutu SADC réunion ngo salamaka oyo Joseph Kabila komaka président, la réunion s'est faite à Kinshasa. 2008, Joseph Kabila, président de la SADC, na réunion au Salamaka, na 2008, na Kin, oyo ba commissaire Kabila,
président ya SADC 2008 sommet salama na Kinshasa et non sommet zalaki na na Afrique du Sud et à partir la wana voilà summit elected on a autant en anglais hein. Summit elected His Excellency Thabo Mbeki, President of the Republic of South Africa, as a chairperson of SADC, and His Excellency Joseph Kabila of the Democratic Republic of Congo as the deputy chairman of SADC, meeting held on South Africa. Mais mususu pe ezali oyo salamaki na 2008, oyo mususu bayaki na Kinshasa, basala réunion wana, peuple congolais, attendez, je vais sortir cela. Oyo nani 2008 non voilà je crois voilà Kabila était je crois il a assumé le poste là na kati ya SADC wana na kolukango susu parce que biska na check yango et sali neti voilà je crois yango yo na ebite soki yango yo. Voilà, Congolese President Joseph Kabila arrived at Lusaka Airport for South African Development Committee Summit to discuss the rising fear of the border of the Zimbabwe election result on April 2008. Voilà, donc on a relancé l'angle très bien et on a rejoint l'angle là que Sabine autant tout ça l'info expliquer pour n'abomber comment aussi Kabila a été membre de la SADC et il a assumé beaucoup de fonctions la SADC. Donc c'est pas du nouveau. Oh y a les talibans basant qu'au faire quoi. L'échec est cuisant parce que bande comme susu batché yango awa na sommet oyo uti koleka kuna ke ya rien de spécial oyo bato bako yuko loba ke non Fachi a reçu le sommet là de la SADC ndenga kendaki non ya rien d'abord azota mwana ba vrai diplomate ta au reçu ndengeni azota mwana ba master na ba coopérant a reçu la monde comment il va réussir la diplomatie là-bas il a fait l'échec là-bas. Nenge batbaza koloba échec total échec oyo ajui na diplomatie lingaki ya mekana SADC mutu wana ya Zimbabwe oyo a remporté élection wana ya Botswana plutôt ya SADC kuna ye a ko un échec mais bataliba baza koluka ba justifier yango pona bujo ba c'est un échec ya zo vende échec et puis de ben na sommet ngo pe batebele ba yakite beaucoup de chefs d'état ba yakina ba ngo te surtout na mambo azo sala sala wana ezanga tina na Congo bazo bete kutu bakara. Mawa trop peuple congolais y a un mutape perdé na nino ezako salama wa natanda attendez je vais voir Augustin Kabuya qui dit que Martin Fayulu ba makambaza koloba eza di n'importe quoi il s'est perdre l'équilibre mais mutape d'équilibre je vais répondre pourquoi Martin Fayulu a perdu l'équilibre ce que Augustin Kabuya sali déclaration au point taliba biloba loba yango monique na bango moko ba ou fallait bakanga ceux qui Tony bango ba yibi bombongo ou les ba justifier mbongo wana très bien et comme il y a reçu les angantina et puis le mal année ceux que za ki batu mususu ba sali manœuvre ba rotinda ba kosala ba vidéo ba bibi fou bakanga ye azamu yibi ayibi mbongo l'état mais tant makamba mbongo révisé entre bango peuple congolais boyo to yebi toyo mawario bango wana Natoni Mama Kudi Kudi Dje Kasadouan Sambi Merci Il te passe viva Viva Makambo etali I chef Wana eza makambo Yandaku makambo ya fa Ya fa Toko kota biloko wana ha Respecter la I chef Aza mwana Fatibe Beton Ministre Tony Aza mwana Fatibe Beton Eko suka kaka na fa Na fa Tobo yi récupération bo Politique Abon attende Sali Voilà, ndenge bouti ko yoka bango, bango pona bango ba komi ko défendre mbatu, ba uti ko yiba au lieu état de droit, o bango ba yiba ba congolais et ça là, état de droit ngo et komi nango, o non waneza makamba famille et o suwa na famille. Tala mi yibi ya ide peso. Et ils sont les premiers à dire que non état de droit ça na kata Congo. Voilà mutape pe da lobi awa mboso
peuple congolais, Mboso a voulu corrompre les députés de PPRD pour ba kota na commission oyo ye alingi ba kota, mais malheureusement ba député mususu pe ya PPRD ba boyi na bango kokota na ba commission na ye ba bike ba kota te, parce que c'est du n'importe quoi oyo ye azako sala. Et c'est dit n'importe quoi, bah, okotate. Alors, Martin Fayulu m'a dit, aouté ko yamba diplomate, ya Pays-Bas, je vous remets la vidéo, bota la rencontre, ya Martin Fayulu, na diplomate, ya Pays-Bas. Dis-moi. Moi, je m'appelle Léon Kopval, ambassadeur des Pays-Bas, un des partenaires de la RDC. On aimerait être un partenaire qui contribue à la stabilité, à le développement, à la lutte contre la pauvreté. Et pour tout ça, on a besoin d'un État qui fonctionne, on a besoin d'un processus de démocratisation. Alors, pour jouer notre rôle, pour être au courant de tout ce qui se passe, on doit écouter tout le monde, mettre les oreilles partout pour avoir les points de vue de tout le monde qui est dans ce théâtre politique, dans cet espoir et cet besoin de développer la RDC et de renforcer la démocratie. Alors c'est pour cela que je suis venu de parler avec M. Fayulu, et on a échangé beaucoup surtout sur le processus électoral, avec une vue à 2023, où, et ça c'est notre position en tant que Pays-Bas, et on partage ça avec beaucoup de partenaires, la RDC, la population a besoin des élections sans glissement, crédibles, participatives et impartiales. Et Mafa, oyo akutana na diplomate wana parler des élections de l'avenir du pays, alors Mafa Zakotia, et puis Moïse Katumbi qui vient aussi de faire la déclaration, et Martin Fayulu a envoyé en tout cas ma correspondance dans beaucoup de diplomates pour voir ce qu'ils veulent faire. Alors Moïse Katumbi aussi a tweeté pour dire comme en Zambie, la RDC a besoin de bonnes élections organisées par une CENI indépendante, neutre et impartiale. Il faut laisser le peuple choisir librement ses dirigeants. Alors Moïse Katumbi ici qui vient de tweeter pour nous encourager au Elekina Katazambi. Alors nous attendons en tout cas la pression et s'augmenter encore pour mettre fin avec le régime des Fatshi Béton qui ne fout rien dans les pays. Oyo Ezako Bebisa à venir Yamboka pour rien. En tout cas, merci beaucoup Natak Info. Oyo, Tokute Nabino, à très bientôt, peuple congolais, pour notre tranche Moussousou, Yatrak Info.